Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. On va voir ensemble tout ce qui concerne le perso Arlecchino, à savoir son fonctionnement, et cela passe par les aptitudes, les stats à augmenter, les artefacts, les armes, les constellations, les teams envisageables ainsi que les abysses 12 en entier. Sans plus attendre, voyons la suite ensemble. Arlecchino est un personnage de type main DPS, c'est-à-dire qu'il s'agira d'un perso qui sera là pour faire les dégâts sur le terrain. Il faudra donc le supporter. Nous allons voir ensemble comment fonctionne le personnage Arlecchino de façon à ce qu'il soit le plus efficace possible au combat. Et pour ceci, on va se rendre dans un premier temps dans les aptitudes du personnage. Attaque normale, on nous dit qu'on peut enchaîner jusqu'à 6 coups de lance. Enchaînons ces 6 coups de lance. Jusque là, le moveset, pas de problème. Relativement joli d'ailleurs. On revient dessus. Aptitude, à nouveau, attaque chargée, consomme de l'endurance pour charger vers un ennemi proche et le trancher une fois. En maintenant le bouton, Arlecchino consomme de l'endurance pour se déplacer rapidement pendant un maximum de 5 secondes. C'est très simple. On peut faire une attaque chargée et si on reste appuyé sur le bouton, voilà, on peut se déplacer de cette façon-là. Ça dure 5 secondes, à peu près la durée de votre endurance. Parce que vous voyez, l'endurance aussi est consommée en même temps. Donc pas tout à fait entièrement, mais presque. On revient dessus. Aptitude. Attaque plongeante, plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l'impact. Jusque là, pas de problème. Je saute depuis la petite pierre pour faire une attaque plongeante. Et on fait donc un dégât AOE. On revient à nouveau dessus. Aptitude. Et c'est à partir de là que les choses vont vraiment se corser. Lorsqu'Arlecchino est sous l'effet d'un engagement vital dont la valeur est supérieure ou égale à 30% de ses PV max, elle entre dans l'état de masque de la mort rouge et ses attaques normales, chargées et plongeantes sont imprégnées de dégâts pyro, ne pouvant être enchantées. Donc, en soi, le masque de la mort rouge, on va le voir immédiatement, sur cet ennemi. Le masque de la mort rouge, je vais le déclencher sans trop vous expliquer tout de suite, mais vous allez voir ce qui se passe. Et voyez, à partir de maintenant, toutes mes attaques sont infusées en pyro. Voici le masque de la mort rouge. Sous l'effet du masque de la mort rouge, toucher un ennemi avec une attaque normale augmente les dégâts de l'attaque d'une valeur équivalent à un pourcentage de l'attaque d'Arlecchino multiplié par le pourcentage de son engagement vital actuel et consomme 7,5% de l'engagement vital actuel. Et là, la complexité est au rendez-vous, alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça quand même. C'est-à-dire qu'en soi, les dégâts que vous allez faire avec le masque, ce sera donc en fonction de l'attaque d'Arlecchino multiplié par le pourcentage de l'engagement vital. Et l'engagement vital, c'est ceci. On va le voir à nouveau. J'attaque l'ennemi. Attaque chargée. Et là, vous voyez en bas, on a donc une petite croix sur la vie avec une espèce de barre rouge qui... Et c'est ça en fin de compte, l'engagement vital. Et plus la longueur de la barre rouge sera importante, plus votre engagement vital sera important. Mais on va le voir, vous inquiétez pas, c'est prévu. Un engagement vital peut être consommé de cette manière une fois toutes les 0,03 secondes. Lorsqu'un engagement vital est consommé de cette manière, le temps de recharge de la compétence élémentaire pulvérisation totale diminue de 0,8 secondes. Et oui, quand vous allez être avec le masque de la mort rouge et que vous allez faire des attaques normales, votre engagement vital va peu à peu chuter. Mais pour que ce soit très clair, je pense que le mieux, c'est d'avoir un exemple. Vous voyez cet ennemi, je vais utiliser ceci, la dette. Vous voyez que ça a grossi. À ce moment-là, je fais une attaque chargée. Et vous voyez que l'engagement vital est plus important. J'attaque, celui-ci diminue. On le voit bien, la barre de la jauge chute. Mais le temps également sur le R2 à droite, est plus rapide. Ça veut dire qu'on pourra utiliser aussi la compétence plus rapidement que si on avait fait autrement. À présent, la compétence.
C'est étroitement lié à ce que l'on a pu voir jusqu'ici avec l'attaque normale. Invoque le feu lunatique, infligeant des dégâts pyro à plusieurs ennemis proches, et charge vers un ennemi pour le trancher, infligeant un dégât pyro de zone. Les ennemis touchés par cette attaque subissent une dette sanguinaire. Alors oui, effectivement, lorsqu'on va utiliser la compétence, on va infliger une dette sanguinaire à l'ennemi, comme vous avez pu voir la petite croix. Dette sanguinaire, une dette sanguinaire dure 30 secondes. Voilà, donc ça c'est important de savoir que quand vous allez marquer l'ennemi, cette croix, elle va être présente pendant 30 secondes sur ce dernier. Toutes les 5 secondes, elle inflige une instance de dégâts pyro à l'ennemi, pour un maximum de 2 instances de dégâts. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts de compétences élémentaires. Et c'est là en fait que la complexité est présente, parce que vous avez pu voir que lorsque j'ai marqué l'ennemi avec cette dette, la croix a fini par grossir. Et c'est tout là l'intérêt. Tout là l'intérêt, c'est de faire grossir cette croix. Quand Arlecchino utilise une attaque chargée ou le déchaînement élémentaire Ascension Lunatique, elle absorbe et annule les dettes sanguinaires à proximité, chaque dette sanguinaire lui accordant un engagement vital d'une valeur équivalente à 65% de ses PV max. Je sais que je le relis, mais c'est pour que ce soit que je puisse vous expliquer en même temps. Alors oui, lorsque vous allez utiliser le déchaînement élémentaire Ascension Lunatique, cela va tout réinitialiser, on le verra après. Cela dit, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est l'attaque chargée. Parce qu'en fin de compte, quand on va utiliser cette attaque chargée, la dette va sauter, mais nous, on va avoir à ce moment-là le masque, vous voyez, le masque de qu'on a voulu voir un petit peu plus haut, le masque de la mort rouge. Et en faisant ceci, du coup, en consommant cette dette sanguinaire, on va accorder un engagement vital, donc d'une valeur équivalente à 65% des PV max. Et ensuite, pendant 35 secondes après avoir utilisé une compétence élémentaire, Arlecchino peut obtenir grâce aux dettes sanguinaires un engagement vital atteignant au maximum 145% de ses PV max. Utiliser à nouveau une compétence élémentaire pendant sa durée réinitialise la durée et la limite d'engagement vital pouvant être obtenue grâce aux dettes sanguinaires. Alors là, il y a plusieurs choses. Et je pense que le mieux, c'est qu'on le voit vraiment en détail. On va vulgariser un petit peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, on peut se rendre aux abysses. Je pense que pour l'exemple, ce sera très clair. Je vais mettre au 10e étage. Ça n'a pas d'importance là où on va être situé. Et vous allez voir que ici, dans la première salle, je vais prendre Arlecchino toute seule. Et dans la seconde, je mets n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Voilà. Faites bien attention à ceci. Lorsque je vais utiliser la compétence élémentaire sur les ennemis, vous allez voir qu'ils vont tous avoir une petite croix sur eux. Et immédiatement après, je vais faire une attaque chargée. Donc je fais ça, vous voyez, ils ont tous été marqués. Si à présent je fais ça, une attaque chargée, vous voyez que mon engagement vital est déjà important tout de suite. J'ai même pas eu besoin d'attendre, il est déjà important. Les dégâts sont conséquents. On voit que l'engagement vital est en train de chuter, mais qu'aussi le temps de la compétence remonte. Maintenant, je me rends sur un boss. Je le marque, j'attaque aussitôt et on voit que l'engagement est très très faible, les dégâts diminuent rapidement. Et rapidement en plus on va faire des dégâts physiques. Vous voyez, c'est déjà le cas, on fait des dégâts physiques. On recommence. Cette fois-ci, vous voyez, je vais marquer l'ennemi comme ceci. Et là, on va attendre un petit peu plus longtemps. La marque, elle va grossir, comme on a pu le voir à l'instant. Cette fois-ci, si je l'attaque avec chargé. Vous voyez que l'engagement vital est beaucoup plus important, ce qui signifie des dégâts plus forts, mais aussi une application pyro qui va durer plus longtemps sur le terrain. Qu'est-ce que l'on a compris ici? On a compris qu'en soi, il fallait soit avoir un certain groupe d'ennemis pour faire des dégâts conséquents, soit attendre un certain temps que la marque, la dette en soi grossisse et que l'on puisse faire des dégâts plus conséquents et plus longtemps. Maintenant, on va voir ceci, le déchaînement élémentaire. Arlecchino déploie les ailes de feu lunatique, absorbant et annulant les dettes sanguinaires à portée, infligeant les dégâts de pyro de zone, avant d'annuler le temps de recharge de la compétence élémentaire pulvérisation totale et de restaurer ses PV d'une valeur dépendante de son engagement vital et de son attaque. Alors oui, lorsque vous allez utiliser votre déchaînement élémentaire sur un ennemi, ce qu'il va se passer, c'est que votre skill va être totalement réinitialisé. Voilà. C'est-à-dire que la dette, il n'y en aura plus. Et votre engagement vital, il n'y en aura plus non plus. Par contre, cela va restaurer vos PV. Cela dépend d'une valeur dépendant à l'engagement vital et à l'attaque, la restauration de PV.
C'est ce qu'il faut bien comprendre. À présent qu'on a lu tout ça, qu'on a un petit peu vu ça dans les détails, je ne sais pas si ça a été plus clair pour vous. Je pense qu'il y a certains éléments qui l'ont été. Mais il est vrai que ce qui serait intéressant, c'est vraiment de comprendre ça de manière optimale. Soit on a un ennemi, soit on a plusieurs ennemis. Si on a plusieurs ennemis, on utilise la compétence sur l'ennemi, ce qui va mettre une croix sur plusieurs ennemis. On peut attaquer ces ennemis immédiatement et on bénéficiera vraiment de l'engagement vital, c'est-à-dire ce que l'on voit en bas dans la jauge de vie qui sera relativement important et qui va diminuer à mesure qu'on va l'utiliser. Et sur un ennemi comme lui, sur un boss comme ça, voyez, je vais le marquer. Ceci, je le marque. Et à partir de là, il va falloir attendre relativement longtemps pour que la croix grossisse. Et en plus, vous voyez, il y a un dégât qui a été mis, bon, pas énorme, hein. Et là, cependant, si je l'attaque, on a vu que l'engagement vital a été alors carrément énorme. Et que les dégâts sont en continu sur l'ennemi. Tant que cet engagement vital n'est pas encore trop bas. Jusqu'au moment où ce sera des dégâts physiques. À partir de là. Quand c'est comme ça, on peut utiliser l'outil pour faire non seulement un gros dégât, pour se régénérer les PV, et à ce moment-là, cela réinitialise la compétence. Il va donc falloir à nouveau marquer l'ennemi pour pouvoir poursuivre et recommencer la boucle. Voilà, et quand je vous raconte tout ça, vous vous dites peut-être qu'à ce moment-là, le personnage, bah, il a une mécanique relativement complexe, et que du coup, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le jouer? Eh bah, ben en fait, oui, complètement. Complètement, et justement, tout l'intérêt du personnage réside justement dans cette mécanique. C'est ça qui est intéressant, c'est cette mécanique. Et justement, on va l'exploiter, cette mécanique. Parce qu'en fin de compte, puisqu'il y a un délai, une fois que la marque a été apposée sur l'ennemi, on va donc faire la rotation avec les différents autres persos pour, eh bien, pendant le temps que ça fructifie, hein, que la marque elle grossisse, pouvoir. Et bien supporter pour faire le plus de dégâts possible, vous allez voir. Si vous voulez, dans un premier temps, on fait ça de manière un peu naïve, c'est-à-dire comme si on ne connaissait pas vraiment la mécanique, donc on va se contenter de jouer le perso. Alors ce que je vais faire déjà, voilà, j'applique le pyro sur l'ennemi, skill de Kazuha, je balance ulti de Bennett, ulti de Kazuha, ensuite ulti de Mona, et là immédiatement je prends Arlecchino, j'utilise la compétence. Et à ce moment-là, je fais les attaques chargées, comme ceci, j'attaque. Voilà. Alors déjà, on a pu voir que ça n'a pas duré bien longtemps. Et que les dégâts, ils étaient moyens-moyens. À présent, on va faire avec tout ce que l'on a appris jusque-là. C'est-à-dire que la marque, on va la poser immédiatement. On pose la marque, comme ceci. À ce moment-là, voilà, Kazuha. Déchaînement de Bennett, de Kazuha, de Mona. Et là, vous allez voir, la différence va être présente. Attaque chargée. Et là, vous voyez les dégâts. Ils sont présents. Et voilà. Vous vous rendez bien compte que du coup, en respectant bien cette mécanique, on voit que le personnage peut faire des dégâts bien plus importants. Concernant les aptitudes de Arlecchino, quelles sont celles qu'il faut prioriser? Déjà, j'ai envie de vous dire tout de suite, l'ascension lunatique, ne l'augmentez pas outre mesure. Moi, je ne vais pas monter au-dessus du niveau 6, à moins que vous ayez la constellation 6, si je ne m'abuse. Je crois qu'il y a la sixième. Oui, c'est ça, la sixième, qui vous permettra de claquer un gros dégât. Mais sinon, n'allez pas forcément trop augmenter ceci, parce que, en soi, ça permettra juste de faire ce qui est indiqué ici, donc de restaurer les PV, valeur équivalent à l'engagement vital et son attaque. Et déjà, niveau 6, quand je vois ce que ça me restaure comme PV, franchement, je ne vois pas forcément la nécessité de monter au-dessus. Par contre, attaque normale et pulvérisation totale, là, allez-y, Franco. Là, pour l'instant, c'est niveau 6, mais je compte bien les améliorer encore plus que ça, dès lors que j'aurai ceci. Attaque normale, oui, parce que bah, c'est justement là-dessus que fonctionne le personnage, sur ses attaques normales. Attaque normale est chargée en plus de ça. Le masque de la mort rouge y est présenté. Et ensuite, voilà, pulvérisation totale. Ça aussi, c'est la compétence, ce sera important. D'ailleurs, comme il s'agit d'attaque normale, ce sera le pourcentage que l'on voit là. Et voilà, dégâts de dette sanguinaire, dégâts de taille. Donc, en priorité, celle-ci, l'attaque normale. Puis pulvérisation totale. Et vraiment, ensuite, ascension lunatique. Concernant les artefacts pro Arlecchino, alors sachez qu'il en existe une ribambelle de possibilités. On peut stuff Arlecchino de plusieurs façons.
Les sets que l'on peut équiper à Arlecchino, il y en a plusieurs, notamment celui-ci. Étant donné que je n'ai pas ce set, il est encore très très frais. Le meilleur set pour Arlecchino, c'est celui-ci, Fragment d'Harmonie Divergence. D'une, parce que cela augmente carrément tout de suite l'attaque de 18%. Donc ça, c'est parfait pour elle. Mais aussi parce que lorsque la valeur d'un engagement vital augmente ou diminue, donc vous vous souvenez ce que c'est que l'engagement vital, hein, il va forcément augmenter ou diminuer. Les dégâts infligés par le personnage augmentent de 18% pendant 6 secondes. C'est encore un gain. Et en plus, cumulable 3 fois. Donc vous voyez bien que les dégâts seront relativement conséquents grâce à ce set. Pareil, encore un set que je n'ai pas, parce que j'ai été absent pendant un certain temps sur le jeu. Bien que ce soit un set quand même à récupérer, relativement intéressant, c'est celui-ci, Chasseur de la Maréchaussée. Il augmente les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de 15%. C'est exactement ce que l'on va faire avec le perso. Et le set de 4 pièces, lorsque l'épée actuelle du personnage augmente ou diminue, le taux de crit augmente de 12% pendant 5 secondes. Bon, ça c'est pas forcément obligatoire, surtout si on joue une arme en taux de crit. Donc, pourquoi pas, en plus l'effet est cumulable, ça peut être intéressant aussi, il faudra un petit peu orienter les stats en fonction de ça justement, du fait que le taux de crit peut bouger. Pareil, encore un set que j'ai pas farmé, Écho d'une offrande, augmente l'attaque de 18%, pourquoi pas, mais surtout le 4 pièces, en touchant un ennemi, les attaques normales ont 36% de chance de déclencher l'effet rituel de la vallée. Et cela augmente les attaques normales d'une valeur équivalente à 70% de l'attaque. Et comme on va faire que des attaques normales avec le perso ou presque, ce sera forcément intéressant. A noter aussi que l'effet sera dissipé à 0,05 secondes après avoir infligé des dégâts avec une attaque normale. C'est un petit peu complexe. C'est une mécanique un peu particulière aussi, cela aura tendance à augmenter l'attaque normale. Et forcément, bah, ça peut être intéressant pour le perso. Un autre set aussi que j'ai remarqué, c'est celui-là. Vous voyez ? Ici, pardon, ici, à cet endroit, le set chronique du papillon du désert. Alors c'est vrai que le 2 pièces nous intéresse pas vraiment, hein, parce que l'animo on s'en fout pour le coup. Mais le 4 pièces, lorsqu'une attaque chargée a touché un ennemi, la vitesse d'attaque normale du personnage augmente de 10%, déjà ça, et les dégâts infligés par ces attaques normales chargées et plongeantes augmentent de 40 secondes pendant... de 40%, pardon, pendant 15 secondes. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce que très clairement, c'est souvent ce qu'on va faire avec le perso pour déclencher vous savez, le masque, enfin le fait d'appliquer l'enchantement pyro, il va falloir faire une attaque chargée. Donc en fait, vous allez déclencher automatiquement ceci et avoir le bonus de 40% pendant les 15 secondes. Concernant le set Glad, c'est une approche très intéressante pour Arlecchino déjà parce que tout le monde peut facilement l'obtenir. Je pense même que tout le monde a ce set là. Ou presque tout le monde a un set comme celui-ci de qualité. Donc ce qui est intéressant, c'est ses stats. Déjà, augmente l'attaque de 18%. On va évidemment pas cracher dessus, c'est utile. Mais surtout le 4 pièces. Augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35% lorsque ce set d'artefacts est équipé par les personnages armés d'une épée à une main, à deux mains ou d'une arme d'astre. Et oui. Et l'arme d'astre, rappelons qu'il s'agit des lances. Or, le personnage est une lancière. Donc, on va bénéficier de tout ça. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un très bon set comme celui-ci, priorisez-le à d'autres sets qui n'auront pas des stats aussi bonnes. Concernant les artefacts que vous allez devoir mettre sur Arlecchino, vous avez plusieurs options, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la stat principale. Donc, concernant la coupe, je lui ai mis une coupe en attaque. Pourcentage, bien qu'il soit possible de lui mettre une coupe en pyro, j'ai constaté que les dégâts étaient un peu meilleurs avec une coupe attaque pourcentage. Pareil pour le sablier, attaque pourcentage. Et de cette façon là, vous allez vraiment optimiser vos dégâts. Concernant les armes du personnage, alors moi je lui ai mis la lance de jade ailée, c'est sa seconde meilleure option parce qu'il y a une attaque de base qui est relativement haute et un taux de crit présent. Ce sera très intéressant pour le personnage. En plus, les ennemis touchés confèrent un bonus d'attaque de 3,9% pendant 6 secondes. Bon, là, en l'occurrence, c'est parce que j'ai l'arme raffinement 2. Mais ça, ce sera bien utile pour le perso, encore une fois. Mais, bien entendu, la meilleure arme pour le perso, c'est celle qui est en bannière. Celle-ci.
parce que littéralement elle est faite pour elle. Déjà le taux de crit qui va augmenter fortement, une attaque relativement haute. Touche un ennemi avec une attaque chargée accorde un engagement vital d'une valeur équivalente à 25% de ses PV max. Donc rien que ça déjà ça permet d'entrer, vous voyez, il n'y a pratiquement pas besoin d'attendre, on peut directement attaquer l'ennemi. Cela dit, est-ce vraiment nécessaire puisque de toute façon on va effectuer la rotation avant d'attaquer l'ennemi immédiatement. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 14 secondes, le délai est relativement court. De plus, lorsque le personnage équipé de l'arme est sous l'effet d'engagement vital, les dégâts qu'il inflige augmentent de 12%. Alors ça oui, là pour le coup, ça c'est vraiment très intéressant. Si la valeur sur l'engagement vital est supérieure ou égale à 30% de ses PV max, les dégâts qu'il inflige augmentent de 24% supplémentaires. Effectivement, là, ça, cette dernière partie fait qu'il s'agit vraiment de la meilleure arme pour Arlecchino, c'est incontestable. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la lance de jade ailée fait partie du portail permanent et vous avez une chance de loot l'arme, enfin que lorsque vous pull, que vous allez pull, vous avez une chance d'obtenir cette arme. Mais il y a d'autres possibilités. Alors oui, il y a le bâton de Homa, mais c'est pas du tout la meilleure chose, quoi. En fait, même le lance de jade ailée sera mieux. J'ai essayé les deux et effectivement, il y a un meilleur résultat avec celle-ci. Après, vous avez des options un petit peu plus free-to-play, comme par exemple, alors celle-ci en l'occurrence n'est pas vraiment free-to-play puisqu'elle fait partie du pass de bataille, mais elle vous accordera un taux de crit relativement élevé. En plus, elle augmente l'attaque de 32% et la dev de 32% si deux ennemis ou plus se trouvent à proximité. Donc là, il s'agit vraiment d'une situation particulière. C'est situationnel. En plus, l'attaque de base étant relativement faible, faute de mieux, cette arme ne sera pas forcément la meilleure option. Et après, vous avez une option encore plus free-to-play, c'est la Pampi Blanche. Pampi Blanche qui vous octroiera du taux de crit. Par contre, à noter que du coup, l'attaque de base sera vraiment très basse. Et là, donc, ce sera pas dingue à cause de ça. Augmente les dégâts infligés par des attaques normales de 48%, ça peut contrebalancer, mais ça ne vaudra pas quand même une attaque de base telle que celle-ci, à noter. Ce sera quand même pas mal, franchement, je trouve même que c'est exceptionnel. Là, on parle d'une arme que tout le monde peut avoir, en soi une Pampi Blanche. Voilà, en plus, elle n'est même pas niveau 90 ici. Donc là, on est en présence d'une arme qui peut totalement s'adapter dans un cas de figure où vous n'auriez pas le stuff adéquat. Concernant les constellations de Arlecchino, alors sachez déjà que pour les abysses, même celles-ci, hein, il n'est pas nécessaire de déverrouiller tout ça. Absolument pas. Ce sera juste un atout considérable qui rendra le perso encore plus OP. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une telle puissance pour le monde ouvert ou même encore pour les abysses? Faites-le vraiment en connaissance de cause ou alors pour avoir, ne serait-ce que dans votre box, un perso par exemple très cheaté qui vous permettra de passer n'importe quelle zone. Ça peut être utile dans ce cas de figure. Mais j'ai envie de vous dire, faites-le vraiment en sachant que même en C0, le personnage pourra totalement vous satisfaire. Pour peu que vous l'ayez bien stuff, quel est le bon niveau, quels sont les bons artefacts, la bonne arme, ou même pas forcément la bonne arme, elle sera de toute façon forte, quoi qu'il arrive. Mais voyons quand même les constellations ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce que cela peut vous apporter de plus. À noter qu'il est très fort probable que vous deviez donc payer plus cher, hein, parce que ça c'est coûtant. À moins d'avoir beaucoup de chance, il va falloir dépenser pour avoir ces constellations. Donc la première ici. À moins de supporter toute haine et toute dette, donc l'augmentation du masque de la mort rouge s'améliore davantage de 100%. De plus, la résistance à l'interruption d'Arlecchino augmente lorsqu'elle utilise une attaque normale ou chargée sous l'effet du masque de la mort rouge. Je vais pas vous dire que c'est mauvais parce que ça serait pas vrai. Forcément que c'est intéressant. Déjà 100% de plus d'augmentation sur le masque de la mort rouge, c'est très bien. En plus, la résistance à l'interruption lorsqu'on fait des attaques normales ou chargées sous l'effet du masque, donc quand l'arme est enchantée. Bah oui, c'est forcément bien. Si vous n'avez pas de shield sur vous, vous allez être beaucoup moins stoppé par l'ennemi, donc vous allez pouvoir continuer à taper. Ça ne veut pas dire que vous allez mieux tanker, mais enfin, je veux dire, vous pouvez mourir quand même. Mais au moins, vous ne serez pas freiné, donc vous pourrez continuer à faire mal. Donc oui, c'est forcément intéressant. La C2. À moi d'accorder toute récompense et toute punition. Les dettes sanguinaires commencent désormais comme des dettes sanguinaires à échéance. Lorsqu'Arlecchino absorbe une dette à échéance, elle envoie un feu lunatique vers l'avant, infligeant des dégâts pyro de zone d'une valeur équivalente à 900% de son attaque, et augmente ses résistances élémentaires et physiques de 20% pendant 15 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes. L'aptitude passive, seule la douleur peut rembourser
doit être déjà débloquée. Alors comment vous dire que celle-ci, elle est complètement fumée? Donc un dégât, des dégâts pyro de zone, un équivalent à 900% de l'attaque, c'est déjà beaucoup, c'est vraiment très très élevé. Plus la résistance élémentaire et physique de 20% pendant 15 secondes. Ça aussi, ce sera très intéressant. Sachez, pour info, que celle-ci de constellation peut apporter jusqu'à 25% de puissance en plus pour votre team. Donc bien entendu, celle-ci est très très forte. On va pas s'intéresser à celle-ci, vous savez bien un petit peu comment ça fonctionne, les constellations 3 et 5. Donc ensuite la quatrième, désormais vous devez vous aimer et vous protéger. Lorsqu'Arlecchino absorbe une dette sanguinaire, le temps de recharge d'Ascension Lunatique diminue de 2 secondes et elle récupère 15 points d'énergie élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes. C'est pas vraiment utile. Ça vous servira pas vraiment parce que rappelons que l'Ascension Lunatique, c'est le déchaînement élémentaire. Donc avoir peut-être le cooldown plus court pour l'ascension lunatique est vraiment vraiment intéressant. Pas forcément, on va dire que c'est un petit plus. À présent, désormais, nous vivrons ensemble une nouvelle vie, la constellation niveau 6. Les dégâts infligés par ascension lunatique augmentent d'une valeur équivalente à l'attaque d'Arlecchino multipliée par 700% du personnage de son engagement vital actuel. C'est n'importe quoi. Pendant 20 secondes après avoir utilisé. Alors, rappelons que l'ascension lunatique, c'est encore le déchaînement élémentaire. Donc, quand on va lâcher le déchaînement élémentaire, ça va piquer dur, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pendant 20 secondes après avoir utilisé pulvérisation totale, le taux de crit des attaques normales et des déchaînements élémentaires d'Arlecchino augmente de 10% et leurs dégâts critiques de 70%. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Bah oui, c'est n'importe quoi. Ça, c'est évidemment, on va taper encore beaucoup plus fort. Avoir un taux de crit en plus qui va être augmenté pendant un certain temps. Là, pour le coup, l'augmentation pour l'équipe, il est encore plus conséquent que la seconde constellation. Mais en même temps, c'est la C6 et il faut aller la chercher. Donc là, il va falloir y aller sec, hein, dans la carte bancaire, j'ai envie de vous dire. Mais à noter qu'après vous pouvez, je sais pas moi, paquer pour le perso à l'avance si vraiment vous l'aimez. Enfin, il y a plusieurs alternatives. Mais voilà, comme ça vous savez quelles constellations, bah, celles qui seront intéressantes, celles qui le seront moins. Voyons ensemble à présent les différentes compositions de team qu'il est possible de faire autour de Arlecchino. On va affronter des boss avec différents teams. Primo, je marque l'ennemi. J'applique le shield, l'ulti de Yelan, l'ulti de Jinkyu, et là c'est parti. Voilà, bon, il ne s'agit pas d'une team forcément très puissante, mais elle a l'avantage que si vous avez besoin d'un shield ou une résistance à l'interruption, ça fonctionne bien. D'autant qu'avec Yelan et Xingqiu, vu que c'est deux hydros, la résonance est présente, et en plus vous allez pouvoir du coup bah, plus rapidement avoir des particules et plus rapidement faire vos rotations. Cette team là est très intéressante puisqu'elle vous permettra de faire vraiment de très gros dégâts. C'est pour moi la team la plus puissante. Donc qui c'est que j'utilise ici? Kazuha, Bennett, Xiangling. Comment ça va se passer? En gros, je marque l'ennemi, je balance les ultis de tout le monde, et pour finir sur Arlecchino, et ensuite. L'avantage ici, c'est qu'il y aura énormément de boost pour Arlecchino ainsi que des dégâts supplémentaires. Vous allez voir à quel point c'est efficace. Voilà, c'est très clair que la team est vraiment très forte. Et même en Abyss. C'est très fort. Une team qui est entièrement vouée à Arlecchino, puisque c'est elle qui fera tous les dégâts, on va juste la supporter. Il peut arriver de temps à autre, puisqu'il y a Mona, que Arlecchino fasse des dégâts complètement débiles. C'est-à-dire vraiment des valeurs de dégâts qui sont extrêmement hautes. C'est très probablement lié à son arme. Mouvement vagabond. Alors je ne sais pas si ça va se passer maintenant.
Voilà, bon, il n'y a pas eu de dégâts complètement absurdes. Mais vous voyez que c'est une team qui fonctionne relativement bien quand même. On peut également remplacer Zhongli dans cette team par Bennett. Les dégâts seront plus importants. Par contre, vous n'aurez pas de résistance à l'interruption et du coup, vous n'allez pas tanker les dégâts. Mais l'avantage, c'est que les dégâts seront bien présents. Cette team fonctionne bien aussi. Voilà. A noter que j'ai fait une petite erreur dans la rotation. Mais en soi, comme le combat était relativement simple, ça n'a pas posé problème. Voici une petite team un petit peu atypique. Un peu exotique. Ici, ce que l'on va faire... C'est toujours un petit peu le même principe, sauf que là, on va surtout faire de la brûlure. Je précise ici que Naida est C2. Ce qui fait que du coup, les dégâts seront un petit peu plus conséquents. C'est pas une team forcément très puissante, mais elle peut quand même s'en sortir particulièrement bien dans le monde ouvert. Une autre team un petit peu particulière. Là, la Shogun a noté à laisser 2 avec son arme signature. Vous allez faire pratiquement que de la surcharge. C'est une team plus pour le fun parce qu'en vérité, que ce soit dans les abysses ou alors contre vraiment des gros boss, ce sera pas forcément super intéressant. Mais voilà, sachez que ça fonctionne. Par contre, sur les groupes d'ennemis, oubliez parce qu'ils vont voler en tous sens, ce sera vraiment pas très pratique. Une composition très particulière. Là, on est sur une team vraiment exotique. Il faut vraiment que vos supports cryo soient bien stuff et une très très grosse recharge. Voilà, bon. C'est vraiment plus une team pour s'amuser. Si vous voulez faire les abysses, oubliez cette team-là, ce sera pas une bonne idée. Voici une team très particulière où il est question d'utiliser des persos qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc Naida y est là jusque-là, pas de problème, mais avec Thomas en prime. Et Thomas, il va falloir le stuff d'une certaine façon. Vous lui mettez énormément de maîtrise élémentaire et pas mal de PV. J'ai mis l'alliance en croix de Kitei pour la maîtrise élémentaire. L'artefact broken, j'ai pas vraiment cherché à comprendre, j'ai mis beaucoup de maîtrise élémentaire. Et concernant les autres persos, et bien comme d'habitude. Vous allez voir que ça se défend. Voilà. Bon, le seul inconvénient de cette team, c'est que vous n'êtes pas safe. Donc dans le monde ouvert, quand vous allez affronter des boss, vous pouvez vous régénérer. Mais en abyss, sur l'étage 12, ça peut être compliqué. À présent, on va faire les profondeurs spiralées ensemble. Je vais utiliser une team avec Arlecchino, bien entendu. Alors, je ne suis pas du tout expert des profondeurs spiralées, je me débrouille. Aussi, en première team, je vais prendre vraiment de quoi aller relativement vite. Une team qui se débrouillera bien.
et qui en plus de ça est relativement résistante, s'en sort à peu près partout. Et en seconde partie, bien entendu, une team qui va permettre à Arc le Kino de briller. On va prendre Bennett, Kazuha, on va y ajouter Xiangling car elle aussi fait de bons dégâts, et enfin Arlecchino. Vous allez voir que ce combo-là est exceptionnel. Et là, il va bien falloir bien faire la rotation, mais vous allez voir, c'est très efficace. Voyez en quoi c'est super intéressant. De cette façon là, j'ai tous mes déchaînements élémentaires pour la phase suivante. ここより登る。よし、燃えろ。
Voilà. Bon, en termes de time, j'étais un peu ric-rac. Mais on voit que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, la dernière phase, je m'y suis repris à 4 fois. Pour les autres, ça a été beaucoup plus simple. Mais on voit qu'on s'en est finalement bien tiré en termes de time. À noter qu'il nous restait même un petit peu de marge. À présent, on va voir les persos ensemble. J'aime autant vous le dire que la première team, elle est absolument pas free-to-play. Bon, par contre, la seconde, un petit peu plus. Vous allez voir. Donc la première team, j'ai utilisé Shogun Raiden. Elle a 18 500 PV, 1378 d'attaque, 55 de taux de crit pour 167 de dégâts crit et 263 de recharge. Arme, la sienne, lumière du faucheur, raffinement. Artefact, je lui ai mis 4 emblèmes. Voici la coupe, taux de crit, dégâts crit, attaque pourcentage, du bon set. Ensuite un sablier, recharge énergie avec taux de crit, dégâts crit. Plume avec taux de crit, dégâts crit. Fleur avec taux de crit, dégâts crit, maîtrise, recharge. Et enfin le chapeau avec dégâts crit et du taux de crit dessus, du bon set. Constellation 2, et oui, c'est ce qui m'a aidé à faire autant de dégâts. Aptitude 7-10-10. Ensuite, Naïda, continuons dans le même délire. Donc 52,8 de taux de crit pour 158,7 de dégâts crit avec un petit peu de recharge. 16 900 PV, 1155 d'attaque et surtout 850 de maîtrise. En arme, je lui ai mis le mouvement vagabond parce que j'ai pas son arme signature. Artefact, je lui ai mis 4 de ce set là, le set rêve doré. Donc chapeau en maîtrise élémentaire avec taux de crit recharge. Coupe en maîtrise élémentaire avec taux de crit dégâts crit. Sablier en maîtrise
maîtrise élémentaire avec taux de crit, dégâts crit, recharge. Plume avec taux de crit, dégâts crit, maîtrise. Et enfin, la fleur avec taux de crit, dégâts crit, maîtrise. Il y a un peu de PV pourcentage. Et attention, constellation 2 aussi. Donc Shogun plus Naïda en double C2 dans la même team, ça a bien aidé. Aptitude 8-10-10. Ensuite, Yelan. Yelan a 33 777 PV, 55,7 de taux de crit pour 226,8 de dégâts crit et 156 de recharge. J'ai son arme signature, le simulacre d'eau. Artefact en full broken par ces deux pièces-là. Je sais même pas, ça vaut même pas le coup, je vous les montre. Elles ont pas de stats spécifiques. Bon, je montre rapidement, mais vous allez voir que c'est pas vraiment incroyable. Constellation C1, ce qui me permet de réenchaîner le skill, ce qui est pratique pour l'avoir plus souvent son déchaînement élémentaire. Aptitude 5-7-10. Et enfin, Kokomi. Kokomi a 38 000 PV, 188,7 de recharge. Et oui, j'ai son arme. Involontairement, je l'ai eu, mais je l'ai eu quand même, pour ceux qui voient de quoi je parle. Artefact. Donc je suis en 4 pièces de teinte océanique, mais je pense qu'à présent, il y a mieux. Le 7 palourd, pardon. Mais je pense que maintenant, il y a encore mieux. Donc 28% PV, un peu d'attaque pourcentage et de la recharge. La fleur avec de la recharge et 16% de PV. Chape en bonus de soins avec recharge. La coupe en PV pourcentage avec de la recharge dessus. Du dégâts crit, peu d'attaque pourcentage, et enfin le sablier en recharge, dégâts crit, PV pourcentage. Ça, c'était pour la première team, la seconde maintenant. Alors, Kazuha. Kazuha qui a 20 600 PV, 1531 d'attaque et 687 de maîtrise. 55 de taux de crit pour 112 de dégâts crit, 173% de recharge. L'arme, j'ai le serment de la liberté, donc son arme. Artefact, je suis en 4 vertes chasseuses, donc ça coupe en maîtrise élémentaire avec taux de crit. Chapeau en maîtrise élémentaire avec taux de crit, dégâts crit, recharge PV. Coupe fleur avec taux de crit, dégâts crit, recharge. Plume avec taux de crit, dégâts crit. Et enfin le sablier en recharge avec taux de crit, attaque pourcentage et PV pourcentage. Constellation 0, aptitude triple 10. Bennett, 25 864 PV, 1814 d'attaque. Il a surtout 253 de recharge d'énergie. Et je lui ai mis l'épée du faucon pour la base de dégâts, la base d'attaque, pour qu'il booste mieux les autres. Il est en 4 nobles, donc beaucoup de PV pourcentage et surtout beaucoup de recharge. Voilà, donc encore de la recharge d'énergie, PV pourcentage, recharge d'énergie. Ici, recharge d'énergie en masse. Dégâts crit, attaque pourcentage. Là, plume avec dégâts crit, taux de crit, maîtrise, recharge d'énergie. Voilà. Et enfin, constellation 6, aptitude 2-6-13. Ensuite, on va voir Xiangling, ici. Donc, niveau 90, avec 16 400 d'attaque, 53 de taux de crit pour 150 dégâts crit, 238 de recharge. La prise, donc une arme très bien pour elle. Artefact, 4 emblèmes, taux de crit, dégâts crit, maîtrise, taux de crit, attaque, recharge, dégâts crit avec taux de crit pour le chapeau, coupe en bonus, dégâts pyro du bon set, taux de crit, dégâts crit, recharge, et enfin le sablier en recharge avec taux de crit, dégâts crit. C6, aptitude, 3, 8, 12. Et pour finir, eh bien Arlecchino qui a 18 150 PV, une attaque de 2837, en stage j'ai 78,4 de taux de crit pour 231,4 de dégâts crit et 127 de recharge. En arme, je lui ai mis la lance de Jade parce que, en soi, je n'ai pas son arme signature. Elle est quand même raffinement 2. Hein. Elle lui octroie beaucoup d'attaques de base, ce qui est très intéressant pour elle. Je lui ai mis le set Glad, faute de mieux, parce que j'ai pas les nouveaux sets. Donc la coupe qui a taux de crit, dégâts crit avec recharge énergie, en attaque pourcentage. Le chapeau qui a du dégâts crit avec taux de crit en substat. La fleur, taux de crit, dégâts crit, recharge. Taux de crit, dégâts crit et l'attaque pourcentage pour la plume. Et enfin, sablier en attaque avec taux de crit, dégâts crit. Constellation 0, aptitude triple 6. Mais là déjà comme ça on s'est rendu compte un peu de la qualité de ce perso. On peut tout de suite dire d'ailleurs que celui-ci s'inscrit dans les meilleurs DPS du jeu. Se débrouille très très bien. Mécanique un peu complexe, mais qui... Cette complexité finalement est un atout plus qu'une contrainte. On appréciera aussi donc le fait d'avoir un DPS comme celui-ci dans sa box. Cela dit, les teams que l'on peut jouer avec elle sont pas non plus légion. Cela dépendra aussi de sa puissance à elle. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.